et l'école de droit, en un mot, ouverture. Excellence. Transdisciplinaire. Professionnalisme. Stimulation. Solidarité. L'université Paris de Panthéon-Assas est l'héritière de la faculté de droit de Paris. C'est la plus ancienne faculté juridique de France. Le collège de droit de Paris 2 et ensuite l'école de droit ont été les premiers du genre en France. C'est une université à dominante juridique, essentiellement du droit, mais aussi de l'économie et de la gestion, des sciences politiques et des sciences de l'information. Le collège de droit, c'est un diplôme d'université, un DU, qui est délivré aux étudiants à l'issue des trois premières années de licence. C'est une formation sélective, ce qui contribue à rendre le collège de droit de l'Université Paris 2 unique en son genre, c'est sans doute sa structuration en trois filières. La filière fondement du droit, la filière internationale et la filière économie-gestion. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a affaire à des étudiants très motivés qui, outre leur formation de juriste, souhaitent avoir des apports en sociologie, en philosophie, en économie. Le collège de droit, c'est possibilité d'avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à la licence, du fait de tous les aspects transdisciplinaires. Un juriste avec un bon esprit, c'est celui qui conserve un raisonnement général. Le diplôme délivré par le collège de droit est un diplôme en effet très ouvert sur le monde, ce qui permet aux étudiants de découvrir des problématiques en lien avec d'autres systèmes juridiques étrangers. The students that I've been teaching have really been quite impressive. They're learning from me in a different language, but they're able to read and understand the materials and ask very difficult questions. C'est une formation qui prône l'ouverture. Ouverture sur d'autres matières que les matières proprement juridiques. Ouverture aussi vers l'international avec du droit japonais, du droit des pays du common law, du droit allemand. Les étudiants du collège de droit sont évidemment invités à poursuivre leurs études au sein de l'école de droit, qui est un peu la suite logique pour eux du collège, mais qui correspond cette fois aux deux années de master. Le collège de droit vise à une formation générale de culture juridique de nos étudiants, tandis que l'école de droit a vocation à professionnaliser les meilleurs de nos étudiants. Contrairement à la formation classique, les étudiants du collège et de l'école de droit travaillent en petits groupes, ce qui permet de développer un réel esprit de promotion. Ce qui n'est pas possible dans un cours d'amphi à 600 devient possible dans une petite salle de TD à 30. On peut poser les questions qu'on veut et on a les réponses qu'on souhaite. La formation du collège et de l'école de droit est un véritable tremplin pour intégrer d'autres masters au sein de l'université, préparer les concours administratifs ou l'examen du barreau. Le réseau des étudiants de l'école et du collège de droit est très actif. Ce réseau a permis la réalisation, la constitution de plusieurs partenariats pour les promotions actuelles, que ce soit en entreprise ou dans des cabinets d'avocats. On prend beaucoup de gens qui ne venaient pas du collège de droit, qui ne venaient pas de Paris 2. Nous prenons les meilleurs, d'où qu'ils viennent, il ne faut pas hésiter à déposer un dossier. Je recommanderais cette formation pour les intervenants de grande qualité. Pour se construire un réseau. Pour parfaire sa culture juridique. Pour rejoindre une formation d'excellence.